octroyée par l'ONG Food for the Hungry équivalent à 10 545 000 comprimés d'albendazole. C'est l'un des dons octroyés par Food for the Hungry puisque l'ONG contribue même dans d'autres volets du secteur de la santé tels que la prévention de la malnutrition en octroyant la vitamine A au programme intégré d'alimentation et de nutrition, mais aussi en octroyant aux structures sanitaires des chaises roulantes pour ceux qui ont des malades qui en ont besoin. Les médicaments que nous venons de réceptionner aujourd'hui, ce sont des comprimés d'albendazole destinés aux enfants de 1 an à 14 ans qui seront distribués lors des campagnes de distribution de masse, généralement organisées deux fois par an lors des semaines santé mérante. Nous saluons l'action de Food for the Hungry qui nous a donné des médicaments qui ne sont pas proches de la péremption. Les trois lots réceptionnés aujourd'hui ont une date de péremption qui va de décembre 2022, de janvier 2023 et de février 2023. Cela veut dire que nous avons le temps de nous organiser sans nous hâter de distribuer ces médicaments parce qu'ils nous ont livré des médicaments qui ont des périodes suffisantes pour leur utilisation. Food for the Hungry est opérationnel dans ce pays depuis 2006 et nous sommes à notre 13e année d'existence ou d'opération dans ce pays. Et nous avons des interventions dans différents secteurs, notamment dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la sécurité alimentaire, mais et surtout dans le secteur de la santé et de la nutrition. Raison pour laquelle nous sommes là ce jour, pour remettre, et comme nous l'avons fait symboliquement, un don de médicaments, plus particulièrement plus de 10 millions de comprimés d'albendazole, pour participer à la campagne de déparasitage qui est organisée par le gouvernement de la République du Burundi. Donc c'est une joie pour nous de participer à cette campagne et par ces faits-là, participer à la protection des vies des enfants dans les différentes communautés dans lesquelles nous opérons. Je voudrais sincèrement reconnaître que depuis que nous opérons dans ce pays, nous avons toujours été appuyés et soutenus par le ministère de la Santé pour tout ce qui est des interventions dans le domaine de la santé et de la nutrition. Et nous osons croire que cette collaboration ne va pas s'arrêter là et qu'elle va continuer.